Aujourd'hui, vous allez passer une journée avec nous. On va aller à Arcachon. Avant tout, on a une routine du matin. On se lève, prend le petit déjeuner et on se prépare. Puis, on part pour la route qui va durer un peu plus de 2 heures. Pendant cette route, j'ai fait des TikTok et des photos Instagram. Notre destination, c'est la ville d'Arcachon et on va visiter la dune du Pilat. En même pas 30 minutes, je me suis endormie. Je suis vraiment une flemmarde. Je dors tout le temps et partout. Quand on est arrivé, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de monde. Et si on regardait les plaques des voitures, les personnes venaient de un peu partout. Donc, la dune du Pilat, c'est un lieu très touristique. La dune du Pilat est située sur la côte d'Argan, à l'entrée du bassin d'Arcachon en France. Et c'est la dune la plus haute d'Europe. Parce qu'elle fait 2700 mètres de long et 500 mètres de hauteur. D'un côté de la dune du Pilat, il y a la grande forêt, puis de l'autre, l'océan Atlantique. Sur ces panneaux sont présentées différentes plantes qu'on peut retrouver dans la forêt. Sur le chemin de la dune du Pilat, il commençait à avoir du sable. On a déjà de la difficulté de marcher sur le sable avec nos chaussures dont on les a enlevées. J'ai eu la meilleure technique. Pour pas perdre mes chaussures, je les ai accrochées à mon sac. En fait, c'est faux. C'est un secret entre vous, ok? En fait, j'ai vu une fille passer à côté de moi et j'ai volé sa technique. Le jeu commence à être sérieux! Il y a deux sortes de passages pour aller tout en haut de la dune du Pilat. Les escaliers et vers le sable. Vu que moi, je suis une trouillarde, je suis passée par les escaliers. Alors que moi, je suis une warrior, donc j'ai monté la dune du Pilat. Sur le sable. Et j'ai regretté même pas 300 grammes plus tard. J'étais à bout, à même pas 3 pas. J'étais en train de souffrir. Et arrivé tout en haut, il y a deux salles et deux ambiances. La forêt, jungle, mougli, sauvage. La mer, bleu turquoise, palmier, noix de coco, Hawaï. Mais c'est tellement beau. J'étais bien contente d'arriver tout en haut parce que je pouvais me reposer, bronzer, avoir les cheveux dans le vent. Trop bien, c'était tellement cool. C'était apaisant, surtout apaisant. J'ai profité de la belle vue pour faire des photos Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur Amelina Kiss et à liker cette vidéo si vous aimez bien les vlogs. Quand je suis arrivée, j'étais choquée par la hauteur de la dune du Pilat. Mais c'est fou comment c'est grand! Cet endroit me faisait un peu peur parce qu'il était raide et si on tombait, on partait tout de suite dans la forêt. On a profité et on s'est amusé. C'était tellement cool. C'était la première fois qu'on était dans la dune du Pilat, c'était trop magnifique. C'est tellement bon sur le paradis. Il y a tellement de vent. Et là, c'est un peu plus facile quand on devait descendre la dune. Il fallait descendre vers le sable. C'était tellement amusant, on a commencé à courir, tomber. Une fois descendu de la dune du Pilat, on s'est mis dans un coin pour enlever le sable qui était sur notre pied pour mettre nos chaussures. On prend une glace après. Elle est trop bonne. C'est une glace à l'italienne. Moi j'ai pris vanille, et toi? Moi j'ai pris vanille. Voilà. Trop bon. Et moi j'ai pris la fraise. Ça fait deux fois que tu me sors. On est parti de la dune du Pilat et là on est arrivé à Arcachon. On se balade.
J'aime bien l'architecture de Arcachon, surtout la queue de baleine qui sort de l'eau de la plage. C'est simple mais coloré, j'aime bien. Au loin, on a vu des personnes qui pêchaient, donc ça nous a intrigués, on est parti voir. Et ils pêchaient des sèches. Regardez, c'est tellement terrifiant. Oh, ça me dégoûte là. Oh. Après ça, on est parti prendre un bateau pour faire le circuit l'île aux oiseaux pour 2 heures. Ça, c'est le bateau qu'on va prendre pour faire le circuit. Le cœur du bassin de l'île aux oiseaux, univers sauvage, ni terre ni eau, qui refuge de nombreuses espèces d'oiseaux, les cabanes tongées, puis les parcs à huîtres. Au fil de l'eau, on est arrivé à l'île du Cap Ferré. On a terminé notre balade par le front de mer arcachonnais et les villas anciennes. En conclusion, je vous conseille cette balade pour savoir mieux l'histoire de Arcachon et les élevages d'huîtres. Personnellement, j'aime pas trop les huîtres, j'avais déjà goûté une fois à Noël. Et moi, j'ai pas eu le courage de les manger parce que moi, je trouvais que c'était pas très bon. Et on a eu la vue sur la dune du Pila. Le moment que j'ai préféré, c'est quand on a vu les villas anciennes qui étaient bien structurées. Ils étaient tellement jolis, c'était juste magique. Après ce moment sympathique, on a décidé d'aller visiter la ville d'Arcachon. Au fur et à mesure, en se baladant, j'ai remarqué qu'ils avaient mis des fleurs, des géantes fleurs de différentes couleurs. Et en fait, c'était pour décorer la ville. Et vous trouvez pas qu'ils sont tellement jolis? On a trouvé un beau restaurant à côté de la plage. La spécialité, c'est les fruits de mer, mais j'en avais pas trop envie, donc j'ai pris un hamburger avec des frites, comme Amélia. Et tada! Voici notre vlog, vous avez passé une journée avec nous. On était contents de vous partager notre journée, on s'est tellement bien amusés. Et sur ce, c'est la fin. J'espère que vous avez bien aimé le vlog parce que moi je me suis amusée pendant cette journée. Voilà, bisous!